C'est bon. Enfin. Ça va? Ouais, ça ouais, va aller. Non, ça va. T'inquiète, oui. Je te dis, j'ai l'habitude. Ça pourrait aller. Quelle habitude? Oh, ça. Mes côtes, elles ont toujours pris des chairs. Putain. Asseyez-vous. Appuyez-vous ici. Papa, toi, tu vas bien? Ouais, je pourrais aller mieux, fiston. Ah, j'étais pas prêt là, attends, faut que je filme. Mais oui, c'est ça, Jérém, elle aurait réussi, mais lui, il fout la voir, merde. Une tornade comme ça, putain de merde. Ouais. Je comprends, ça t'a effrayé, non? Bah, encore heureux. C'était pas... J'ai encore des choses à faire avant de crever. Mais tu vas pas crever tout de suite, t'es pas prêt de crever, t'inquiète-moi. T'inquiète pas, t'es pas prêt de crever. Oh, Adrian. Ah, putain, un peu de calme. Oh, bordel, que ça fait du bien, un peu de calme. Bon. Bref, oublions cette histoire de merde, là, de cette tornade, non, c'est bon. Non, on pourra pas l'oublier. Non, mais on est là pour Denis, je pense. On est là pour toi aussi, hein. Non, Dédé surtout, putain de merde, ouais, il s'est pas embarqué. Ouais. On est là pour toi aussi. Il est en cellule, putain de merde. Il est en cellule. Adrian, ça va aller, garde ton mental. J'ai envie de garder mon temps. On va le sortir, Denis. On va le sortir, c'est pas. C'est une question de. Je fais agir mes connaissances pour au moins le faire sortir. Bah, je pourrais pas influencer sur un jugement s'il y a un jugement, mais je pourrais peut-être le faire sortir déjà. Ouais. Ok. Mais là, ce soir, on est, je crois qu'on est là pour toi, je crois, ce soir. Comment ça, on est là pour moi? Moi, tout va bien, putain de merde, c'est ça que vous comprenez pas. Là, la question, c'est Dédé, qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qui lui arrive? Dédé, on sait pas réellement ce qui lui a pris. Est-ce que c'est la drogue? Est-ce que c'est cette influence? Il a voulu me tirer dessus. Il a failli me mettre une balle. Heureusement que la FBI était là pour me protéger. Bah, on est désolé pour ce qui t'arrive, Adrian. Parce que vous savez, je suis suivi, les FBI, je suis surveillé. Et... Mais on sait bien que t'es surveillé. Et ils sont arrivés au bon moment. Ouais. Et il vous le dira. Et pourquoi Denis t'aurait tiré dessus? Pourquoi? Je sais pas, parce que... Il est jaloux. Et d'un côté, j'ai envie de le comprendre, d'un côté, je me dis... Voilà, Dédé, c'est... Il voulait juste être vu. Il voulait juste qu'on le voit un peu. Et qu'on oublie un peu Adrian. Voilà, je pense que c'est ça. Il a voulu devenir comme moi. Faire comme moi alors que c'est pas la bonne solution. Et il a fait des conneries. Voilà. Mais ce qu'il a pas compris, c'est que j'ai jamais été comme ça. Ce qui s'est passé à l'époque, c'était un accident. Un putain d'accident. Jamais je ferais du mal à quelqu'un. Tu m'entends, papa et maman? Mais m'entendez? Mais on le sait que c'est un accident. Calme-toi, on le sait que c'est un accident. Mais voilà, je préfère vous le dire. On le je sait. Veux pas qu'il devienne l'homme qu'il ne l'est pas. Bon. C'est mon frère. Ouais, maintenant. Même si on n'a pas le même sang, papa. Ou même si on a. Je le considère, il est dans mon cœur, je veux pas. Je veux pas le perdre. Ça va aller, t'inquiète pas pour ton frère. On va s'occuper de lui. On va le. Voilà. Maintenant, ce que tu as dit, c'est peut-être juste. Il en avait elle voulait lui faire un déclic, tu vois, pour lui montrer qu'il n'a pas le mental. Et elle lui expliquera ça plus tard, ça là. Remarquer pour ça. Quand il saura la vérité. C'est pas impossible. Et qu'il t'en veuille au point de te tirer dessus quand même. J'ai un peu de mal à admettre. Mais ça, oui, il a foutu la merde, Warren. Pourquoi il a fait ça? Est-ce qu'il est serait pas en prise de nouvelles drogues, de nouvelles substances? J'en sais rien. Il arrive alors qu'il voit qu'il y a de la brume et tout, il y va quand même. Je préfère... pas y penser et garder la bonne image que j'avais. C'est bête. Mon petit frère adoré. Mais tu vas toujours le garder, toujours garder cette image. Je garderai toujours cette image, c'est pour il ça. Il joue je pas le. Même s'il a pointé la son arme entre il ma tête le dans, fait d'être blessé, dans mon front il a quand même et qu'il était volé, à deux doigts d'appuyer. Et tout, il serait déjà mort. Je garde quand même une bonne image de lui. Mais bon. C'est tout. C'est dommage. Voilà. Et vous? Oh bah nous ça va. Je viens de m'embrouiller avec mon frangin, avec ma belle-sœur, avec son copain, mais je m'en fous de ça, je m'en fous. Ce qui compte, c'est qu'on soit tous les quatre. Enfin, pour moi, c'est tous les quatre.
On n'est plus que trois, papa. Tous les deux et Denis. Maintenant, si je dois m'embrouiller avec mon frangin, je m'embrouillerai avec lui. C'est pas la première fois que des frangins s'embrouillent. Non, Denis, il y est pour rien dans ça. Et on va trouver une solution. On va trouver une solution. Pour l'aider. Culpabilise en tout cas, pas. Je ne compte plus sur ton frère et ta belle-sœur. Non, mais je sais bien, j'ai bien compris. Mais je l'ai très bien compris, ça. C'est mais fini. Pas. Kaylee, je suis avec toi, point. C'est tout, j'ai pas besoin. C'est pas beau de vous voir ça. Je suis avec toi. Et si je c'est dois beau fâcher, de vous voir comme ça, vraiment. Et si je dois me fâcher avec... Non, Adrian, on a fait une promesse. On a fait une très, très vieille promesse. Et moi, j'ai l'honneur. J'ai un honneur énorme et je tiendrai ma promesse jusqu'au bout. Jusqu'à la mort, je tiendrai ma promesse. Même si je dois me fâcher avec toute ma famille. Vous êtes incroyable. Oh, on n'est pas incroyable. On est simplement humain. On est simplement. On prend des engagements dans la vie et on essaye de s'y tenir. Ceux qui s'y tiennent pas, c'est des merdes. Ouais. En voilà. Tout cas, moi, j'ai ma décision essayé. Est prise. C'est vous. Mais du coup, vous allez faire comment? Vous allez rester habité là-bas ou... Non, on sait pas. Pour l'instant, on nous a tiré dessus, il paraît, la dernière fois. On sait vous pas. On va réfléchir. Je voulais que je trouve une nouvelle planque. Y'a ouais, pas de soucis, hein. Si je peux vous aider. Adrien, ça serait cool. Y'a pas de soucis, je ferai ça pour vous. Alors, moi, j'aimerais bien quitter cette baraque. Putain, ouais, et on va laisser ta famille dessus. Hein, y'a trop de gens qui connaissent cette baraque aussi. Ouais. Donc, vous avez raison. Papa et maman, mettez-vous, n'allez plus là-bas. Moi, je suis d'accord. On va les laisser pour là-dessus. Eux, oui. Je veux bien le croire. Je pourrais peut-être récupérer ma bouteille de whisky quand même qui est là-bas. J'irai récupérer. Allez, pour un peu du whisky. J'ai pas envie de vous prendre. Ouais. J'ai pas envie de vous prendre ce risque s'ils sont complètement. Parce qu'ils m'ont appelé. Moi, Vaco, il m'a appelé, il m'a dit ta mère t'a traité de monstre, tout ça. Que... Non, c'est pas vrai. C'est mais je l'ai pas cru, maman. C'est pas je sais comment il est. Je vrai. Sais comment il est. C'est pas vrai. Tu sais mais ce oui, qui je s'est sais, passé, Adrian. Clairement, ce que je subis depuis des mois et des mois, depuis ta sortie de prison, il n'arrête pas de me demander de te tuer. Et tout à l'heure, il a dit c'est bien fait pour la gueule d'Adrian, il aurait dû l'abattre. Voilà ce qu'il m'a dit. Et j'ai pas supporté, alors je les ai frappés et elle, je l'ai mis à terre. Et je suis partie. Et ensuite, une voiture de mec m'a poursuivi. Je n'accepterai jamais qu'on te fasse du mal ou qu'on parle mal de toi ou qu'on te souhaite la pire des choses. T'es la plus belle création sur cette terre qui existe. T'es ma plus belle chance. T'es la personne qui me rend le plus fière et heureuse. Grâce à toi, j'ai grandi. Grâce à toi, ma force est devenue plus que je le voulais. T'es ma fierté, Adrian. Et peu importe tes choix, même si tu es en tort ou que tu ne l'es pas, je serai toujours derrière toi. Même si tu fais des erreurs, je serai derrière toi. Et crois pas que je sais que t'en as fait des erreurs. Et t'en feras, mais je serai toujours derrière toi. À te protéger et à démentir, même si les gens disent la vérité. Parce que c'est pas ta faute au final. Et tu le comprendras. Un jour. Oui. Ça sera pareil pour moi. Vous pourrez toujours compter sur moi. Quoi qu'il arrive, là par exemple, vous me dites vous avez pris cette décision, je vous suivrai. C'est vous ma famille, c'est vous qui vous êtes occupé de moi quand j'étais petit. C'est vous qui m'avez fait grandir. Exactement. On est ta famille. On est ta famille. Mais crois jamais des gens qui vont te dire des choses sur nous parce qu'on est les seuls à te soutenir. On est les seuls. On est vraiment les seuls à t'aider. Ça, j'en doute pas. Je fais confiance qu'à vous et qu'à moi-même. Alors, tout va bien? Tout va bien, tout va très bien, tout va très très bien. Mais de l'autre côté, ça va pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que Dédé, voilà, ce qui s'est passé. Dédé, on va s'en occuper. On va s'en occuper. Adrien, on va s'en t'inquiète occuper. Pas. Je vais m'en occuper, je vais voir. On va le sortir merci de capitaine. Là déjà. Et puis après, voilà. Et maintenant, n'oubliez pas. Là, je suis bien parce que vous êtes là, à mes côtés. C'est pour ça que je me sens mieux. Si on peut t'apaiser, tant mieux. Mais tout à l'heure, quand je suis arrivé, t'étais grosse colère, hein. Où? Je sais pas, tout à l'heure, c'était un peu houleux quand je suis arrivé, hein. Laisse tomber, Warren. Ouais. Arrivé où, de quoi? Mais là, je suis arrivé parce que... Là,
Je m'inquiétais pour Kaylee. Elle m'a dit qu'elle était là, j'ai pris ma moto. Et ah, ici, là, où il y avait le tornade, mais ouais, c'est parce que je souffrais, j'avais tellement mal. Ben mais oui, vous avez rien senti ou quoi? Ah ben, attends, on a subi. Mais c'est quoi? Putain, imagine. Bah oui, j'ai crié de douleur, pas de colère, hein, j'ai crié de douleur. De couleur, de colère. De colère. Et j'ai vu toutes les couleurs aussi. C'est normal. Comment ça, c'est normal? Mais quoi, normal? Oui, c'est la nature. Ouais, c'est ça. C'est la nature des choses. Ouais. C'est la nature. Pourquoi, maman, t'as quelque chose à me dire, maman? Tu crois que t'es bizarre depuis tout. T'es sûr? Ouais, c'est bon. Vous êtes bizarre. Non, mais pas. On est un peu troublé, perturbé, voilà. Adrien. Ouais. Tu sais, tu comprendras certaines choses au fur et à mesure, mais j'espère que tu me pardonneras. Mais de quoi tu parles? J'ai pas besoin de t'en vouloir, hein, parce que... Ben... On fait tous des choix dans la vie. Mais si j'ai fait certains choix, c'était pour te protéger. Protéger de toi-même et de protéger du monde. Tu m'as sauvé la vie. Vous m'avez sauvé la vie, moi, Effé. Vous êtes occupé de moi alors que... J'avais plus de parents, j'avais plus personne, il y avait que vous. Les autres... Apparemment, ils sont morts dans un accident de voiture. Ou peut-être ils ont juste fui leur responsabilité tellement ils n'avaient pas. Non, dis pas ça. Écoute, jamais ça. C'est pas comment ça. Ton père, il t'aimait vraiment, Adrien. Tu as connu mon père? Mon vrai père? Oui, j'ai connu ton vrai père, Adrien. Et il t'aimait plus que tout. Plus que tout. Pas. Il peut pas m'aimer s'il m'a. Non. S'il m'a laissé, il m'a pas connu. Attends. Ouais. C'est vous mes vrais pères, c'est toi mon vrai père, c'est toi mon vrai père, c'est toi ma vraie mère. Je suis heureux de l'entendre. Adrien. Mais tes parents sont bien morts. Ils sont bien morts, Adrien. Mais ils t'aimaient plus que toi. Tant mieux pour eux. De toute façon, c'est pas mes parents, encore une fois. C'est vous mes parents. Adrien, c'est vous mes parents. C'est vous. Tu peux pas dire ça. Oui, mais c'est vous mes parents. Oui, tant mieux que tu le penses, tant mieux. Nous aussi, t'es notre fils. Ok, ils m'ont donné la vie, mais c'est pas que ça d'être des parents, hein? Les parents, c'est d'élever son enfant, de les faire grandir, d'être ouais, là pour eux. Ouais, et ça, c'est ouais, pas eux, c'est mais pas eux qui l'ont fait, c'est vous. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Et c'est vous qui l'avez fait, c'est vous mes parents, mais pas eux. Oui, ça, Adrien. Je vous interdis de le dire. Non. C'est vous mes parents, c'est tout. Mais ouais, tu auras peut-être des questions à te poser sur eux, tu vois? Et c'est tout à fait normal, et puis on sera jamais à l'encontre de ça, que tu te poses des questions sur qui ils étaient. Tu comprends? C'est ça que je veux te parler, mais ne crois pas qu'ils ne t'aimaient pas ou qu'ils t'ont abandonné. J'ai pas envie de savoir qui ils étaient. Je suis un Jefferson. On est les Jefferson. Voilà. Mais ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est que... Ah, c'est dur pour Kaylee, hein, parce qu'elle a envie de cracher le morceau, mais elle peut pas. Elle peut pas, Kaylee. Elle a envie de cracher le morceau, mais elle peut pas. Tu as des cellules de tes parents. Je ça, tu pourras pas le nier. Tu pourras pas le nier. C'est vrai qu'on t'a éduqué. C'est vrai que t'es notre fils. C'est vrai que tu nous considères comme tes parents. Et c'est tout à ton honneur, à notre honneur. On est fiers de ça. On est très fiers. Ouais, mais oui, au fond de toi, dans tes cellules, t'as les cellules de ta maman et t'as des cellules de ton papa. Et ça, tu pourras jamais, jamais les enlever. Ouais. Je le sais. Mais c'est l'histoire ancienne. Qui repose en paix. Ouais. Qui repose en paix, ouais. Oh, qui repose en paix, oh oui. Il y a peut-être une petite question que je vous ai jamais demandée. Peut-être vous allez pouvoir me répondre. Ouais. C'est pas que je m'intéresse, mais c'est juste pour savoir. Non, vas-y, fais. Il s'appelait comment mon père et ma mère? Il s'appelait comment? Dans leur prénom, c'était quoi? Quoi, maman? Tu peux bien me dire ça? Oui. Oula, où il se fait tabasser? Oui, il a des problèmes. Ok. Elle s'appelait Kayla. Et ton père, David. David J.R. Ok. Et ils sont morts dans un accident, c'est ça?
Aussi, une voiture les a percutés et ils sont morts. Sur le coup. C'est bon, il part, c'est bon. Ok, désolé. Parce qu'il allait se faire tabasser. Alors, je t'ai récupéré et je suis partie avec toi et j'ai marché. Et il pleuvait ce jour-là et j'ai rencontré Warren. Il m'a vue toute seule, dehors sous la pluie avec toi. Trempé, vous étiez trempé. Et je te protégeais de la pluie. Et puis il m'a demandé de venir avec lui. Et voilà. Et tu connais la suite. Mais sache que ton père, il t'aimait vraiment. Parce que je les avais déjà croisés, déjà. Ouais. Et ma mère, tu l'as croisée ? Non, pas ta mère. Mais ton père, oui. Je l'ai beaucoup croisé, ton père. Et c'était un homme respectable. Et très gentil. Et vraiment quelqu'un de très fort mentalement. Il était exceptionnel. Un homme comme courageux. Comme vous. Oh oui. Et je pense pas que... il est plus que vous, parce que vous... Oh si, crois-moi. Il était grand, ton père. Il était charismatique, il avait toutes les qualités requises. Et tu me fais penser à lui, d'ailleurs. Bah, ben, c'est normal. C'est normal. Je me fais vraiment penser à lui. Oh, je le ressemble tellement. Oh oui. Oh oui. Oh, physiquement. Oh oui, quand même, un petit peu quand même. T'as de lui, mais pas que. Hein. Pas que. Ouais. Ok. Pas que, moi je l'ai pas connu. Et t'as pas une photo un jour à me montrer ? Oh si, j'en ai. J'ai à la maison des photos que je garde. À l'occasion, tu me montreras mais ça. Elle est déchirée un peu la photo, on voit que ton père dessus. Ok. Voilà. Et tu pourras le voir. Tu verras quoi. Il ressemble ton père. Et puis... Ok. Mais Adrien... Bon, c'est l'histoire ancienne, maman, faut pas... Oui, voilà, t'inquiète, faut pas pleurer. Ouais. C'est de l'histoire ancienne, mais c'est ton histoire. Ouais. C'est notre histoire. C'est vrai que je me suis jamais intéressé à mon père, mes ancêtres, mon passé, etc. Ah oui, parce non, que je mais... pense que, voilà, je le... Non, je préfère penser à l'avenir, forcément. Pour vous, etc. Voilà, c'est ça. Ce qui est passé, est passé. Oui. Il faut pas voir le passé. Ah, voilà, c'est... Faut avancer. Ah oui, faut avancer, Warren. Il faut pas regarder d'où il vient, c'est son passé. T'es con ou quoi ? Warren, voyons. T'es con ou quoi ? On a déjà discuté de ça. Laisse-lui, il est con un peu. Mais non, faut pas regarder derrière, c'est vrai. Là, tu sais que ton père est décédé, ta mère est décédée, et maintenant, on va aller de l'avant. Mais, Adrien, si tu vois si tu vois des choses changer, c'est normal. Si tu te sens différent, c'est normal aussi. Tu te sens différent, Adrien ? Je me sens très bien. Mais tu te sens pas différent des autres ? C'est vrai que je me sens, ouais, j'ai l'impression que je réfléchis pas comme tout le monde, c'est, voilà, c'est... Mais ça, c'est chacun sa personnalité, je pense, et chacun ses trucs. Ouais, je... D'accord. Mais je vois pas les choses comme les autres, c'est vrai, effectivement. Ah, oui. Je vois tout... Si quelqu'un va prendre cette direction, mais moi, je prendrai toujours le sens de l'autre direction. Voilà. Ah ouais, c'est bien ton père, ça. C'est bien. J'écoute que moi-même, j'avoue. Peut-être c'est ça, un défaut. Je devrais écouter un peu plus les autres. Ça peut être une qualité. Pas forcément un défaut. Hein. Ouais. En c'est tout vrai. Cas, peu importe ce qui se passe, ne sois jamais effrayé, d'accord ? Ouais. On sera toujours là. Bien sûr. J'ai été stupide de t'emmener là-haut. David qui est là. David qui est là. David. Et c'est quoi leur nom ? On sait pas. C'est pas Jefferson. Non, c'était... Mais c'était quoi ? C'était vos amis ? C'était... Moi oui. Je peux pas te dire. Enfin, c'est pas des amis, pas c'est... Son nom. C'est des connaissances. Voilà. Okay. Des grandes connaissances. Et il s'appelait... Attends, David J.R. On s'en fout.
Demande, oh. Du moins, Dodge. Je connais son prénom. Dodge. Dodge. Oui, il s'appelait David J.R. Dodge. Dodge. Ah, ok. Ouais. Et tu sais quoi? Le comble de son histoire, c'est que, comme par hasard, c'est qu'il s'appelait Dodge et il aimait les Dodge. Il avait une Dodge noire. Ah, les noire. Voitures, là. Ah, ok. Ouais. Ouais. C'est marrant, hein. Il s'appelle okay. Dodge, il aime les Dodge noires. Comment c'est ouais, dans ça ouais. Et moi, j'avais peur ouais. À chaque fois qu'il venait avec sa Dodge. J'avais peur, ouais. Ouais, j'avais peur. Ah, ok. Ouais, j'avais peur de la Dodge ouais. Ou de lui? La Dodge. La Dodge, elle me fait... Parce que ça fait du bruit. Oui, ça, et puis voilà, quand moteur, je montais tout Dodge, le temps dedans ouais, sans que je le veuille. Voilà. Okay. Donc du coup, je le voulais pas vraiment, mais j'y étais dedans. Et puis on s'est ouais, ouais. Voilà, c'était sympa, il me faisait des tours de voiture. Des cours de voiture. Et... Non, des tours. Mais c'est cool, c'est cool, c'est cool. C'était sympa, ouais, c'était sympa. Ah, là, là. J'ai hâte de voir la photo en tout cas. Ah oui, prochainement. T'as hâte, oui. Ouais. Il a hâte. Ah, attendez, ah, vous avez oui. Pas remarqué ou quoi? Oui. De quoi? Ma nouvelle coupe. Ah si, ah oui, t'es très beau. Je me suis brossé les cheveux mieux maintenant. Ah oui, ça fait ah, ouais. Propre, hein. C'est, ça fait beau, hein. Comme ça. On dirait que t'as mis du gel dedans. Ouais, je suis parti. Je savais pas quoi choisir, voilà, les gars, j'ai dit Dodge comme ça, mais ma foi. Voilà, je voulais changer un peu. Ah, bref. Oh. Vous allez dormir où, du coup, vous? Je sais pas. Oh là, tu sais, on, voilà, maintenant, on va vivre au jour le jour, nous, hein. Ok. Bah ouais. Vous voulez que je vous dépose? Oh oui, si tu veux. Bah ouais, moi j'ai dû laisser ma moto, je sais même plus où elle peut être, ma moto. Ouais, je vous dépose, y'a pas de soucis. Je la retrouverai chez l'assureur, t'inquiète pas. Pour l'instant, ouais, retournez pas à la maison le temps que ça se calme. Après, ouais. Le mieux c'est de régler cette histoire, mais pour l'instant, vaut mieux... Non, je peux pas, Adrien. C'est trop okay, pour okay. Moi. Ils sont vraiment contre toi, en fait. Et non, depuis non, un... Ouais. Si, ils sont contre Tata, je pense pas. Tata aussi. Oh, c'était la pire. Je l'ai tabassée. Ouais, ouais, si, quoi? Ah oh, oui, je l'ai tabassée, elle a fini au sol. Elle se relevait plus. J'espère qu'elle Tata. Est pas morte. Tata. Oh, mais ton oncle aussi, il est pire. Hein. C'est les deux, là, ouh. C'était quelque chose. Hein. Ils te souhaitent le pire. Donc, moi, je peux plus faire d'efforts avec eux. J'ai accepté leurs excuses à plusieurs reprises. Voilà. Et là, je peux plus, en fait. Ils m'avaient promis que ça se reproduirait plus. Et ça recommence. Là, il te souhaitait clairement la mort, en fait, et que tu le méritais parce que t'avais tué quelqu'un. Au bout d'un moment, s'ils peuvent pas te pardonner, je sais pas, non, rajoute, pour eux. Kaylee, n'en rajoute. Voilà. Je lui dis la vérité. Tu lui dis la vérité, mais c'est pas la peine de... Bah, c'est voilà. Ça qu'il a tu dit. Il l'a déjà dit tout à l'heure, lui, lui a dit pas une deuxième fois. Il a très bien entendu. Oui, mais oui, bah, au moins qu'il l'entende que ton sale frère et ta sale belle-sœur, ça c'est va, les pires. Ça va, ça va. Regardez, j'ai l'impression que le chien là-bas, il nous regarde, il nous écoute. C'est bizarre. Oh, il est beau. Ouais, au moins il a trouvé de l'occupation. Ouais, ah bah qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il est beau, ouais. Ouais. Bon, on y va. Ouais. Purée, cette famille me pétait les côtes, hein. C'est dingue, hein. C'est grave, ça. J'essaye de retrouver ma moto, je peux peut-être rentrer en moto. Ah, oh, j'ai failli me tuer deux fois en moto. Tu sais comment je conduis, moi, hein. comme un pied. Ah oui, oui, c'est, je vois ça. Comment ça, oui, tu sais, c'est même pas comment je conduis. C'est une série, Brandon, ouais, hein. Ça y est, c'est ma réputation, maintenant. Ma c'est mettre l'ombre. Écrase pas le chien, hein. Pour rien, le pauvre. Non, il est beau, ce petit chien. Ouais, il est beau. J'aimerais pas alors, avoir un chien à la maison. Oh, si. C'est bon. Alors, tu veux qu'on pousse? Non, c'est bon, c'est bon. Tu en es sorti. Ah là là, quelle journée quand même. En espérant que tout va bien se passer pour Dédé. Oui, Dédé, on va s'en occuper. Dès qu'on revient en ville, on s'en occupe. Moi, je m'en occupe. Kaylee aussi, ouais. Voilà. Il va avoir un jugement, je pense. On sera là, de toute façon. Attends, un jugement, il t'a pas tué. Il a tué personne. Bon. Ah, bah, quand j'étais là-bas, ils l'ont accusé. Quand il a arrêté, on vous arrête pour le meurtre de Georgia. Ah, alors... Quoi alors, hein? Ah, ça, ouais, c'est autre chose, ça, t'as oublié de nous le dire, ça, voyons. Attends. Quand ils l'ont arrêté, ils l'ont dit ça. Merci, Brandon. Ouais, apparemment. Imagine, il l'a vraiment fait. Imagine. Mais pourquoi tu nous l'as pas dit, ça, Adrian? S'il était capable de mettre une balle. Mais qu'est-ce qu'il aurait. Il aurait rien à foutre de mettre une balle à Georgia.
S'il aurait été capable de me faire. J'y crois pas, j'ai du mal à y croire quand même. Putain, 18 ans, je le connais. Il a peut-être fait des conneries, mais pas à ce point-là. C'est pas tu m'as connu aussi pendant des années, pourtant j'ai fait des conneries. Bah oui, mais enfin. Mais pas si grave. Mais non, excusable. Si tu parles de ce qui s'est passé au régiment. T'as toujours servi la nation, t'as toujours fait les choses bien, t'as dérapé. Il y a une personne qui est décédée quand même, c'est horrible pour sa famille, horrible pour lui, mais c'est un accident. C'est pas comme si t'étais un meurtrier qui voulait tuer des gens par plaisir. Tu comprends? Ça, c'est pas beau. Ça, c'est vilain. Ça, ces gens-là, ils ont pas le mental, hein. Pas du tout. Et crois-moi que le mental, c'est la clé de la réussite. Oui, le mental, ça, t'inquiète pas pour ça. Je l'ai, le mental. Ouais, ça se voit. Ça se voit, je lui ai dit, je lui crois même pas. Elle le croit pas. En tout cas, tu conduis mieux que moi. Là, elle lui lance des piques en fait. Ce qu'elle dit, c'est. Tu peux même conduire en contresens, papa, tu veux voir? Non, mais je te montre que j'ai le mental. Je vous montre que j'ai le mental. Je vais vous montrer le mental. Oui, tu peux nous le montrer. Allez, vas-y. Ça, c'est pas vraiment du mental, ça, c'est des conneries, c'est ça. Ça, c'est pas du mental, c'est de la savoir conduire. Oui, voilà.